Mesdames et messieurs, pourquoi la cité de la gastronomie doit-elle être à Lyon? D'abord, pour une raison simple. Si on veut représenter la gastronomie aux yeux des étrangers, encore faut-il, c'est la première condition, et vous le savez, ce projet de l'Hôtel-Dieu qu'on va vous présenter est aussi autour du grand hôtel Hôtel-Dieu, le premier hôtel 5 étoiles, et je crois que Lyon a cette capacité à pouvoir faire rayonner un projet au niveau mondial. Bon, moi je vais vous parler du cadre de cette cité internationale de gastronomie, qui est le Grand Hôtel Dieu. Je préciserai déjà qu'il y a eu 300 hôtels Dieu en France, il n'y en a qu'un seul qui s'appelle le Grand Hôtel Dieu, c'est celui de Lyon. Je dirige ce projet de reconversion du Grand Hôtel Dieu pour Eiffage Construction. Pour Eiffage, qu'est-ce que cette opération du Grand Hôtel Dieu? Tout d'abord, c'est la plus grande opération de reconversion d'un bâtiment classé monument historique. On ne veut surtout pas faire de cette cité de la gastronomie un Louvre de la gastronomie. On veut faire un lieu vivant. C'est important, cette ouverture sur le monde. De pouvoir, chaque mois, tous les trimestres, voire tous les années, mettre en valeur un pays. Et puis on espère, avec vous tous, parce qu'on vous a réunis ce soir, mais à partir de ce soir, on ne se quitte plus. Et donc, on va jusqu'au bout du projet. Mesdames et messieurs, merci à vous et on y va. En avant!